Incroyable mais vrai. Avant de devenir le grand reporter et journaliste qu'il est, Jacques Cardoz s'est essayé à une discipline radicalement différente et des plus artistiques. CST à l'âge de 21 ans, après des années de travail, qu'il a finalement décidé de tout lâcher. Jacques Cardoz n'a pas peur du changement. Il l'a prouvé cette année en rejoignant la bande de Touche pas à mon poste sur C8. En effet, celui qui a longtemps incarné le magazine de France 2, Complément d'enquête, et a été grand reporter entre autres pour Envoyé spécial s'essaye désormais à l'exercice de chroniqueur. Jacques Cardoz s'est, depuis son arrivée, facilement adapté au rythme et à l'ambiance de l'émission de Cyril Hanouna. Pour l'animateur, il n'hésite d'ailleurs pas à se mettre en scène. Ce fut le cas au mois de septembre dernier afin de dévoiler son talent caché, la danse. En direct, le journaliste de 54 ans avait accepté de réaliser quelques demi-pliés. Rien de plus normal pour cet ancien rat d'opéra. Mes parents avaient choisi une discipline artistique pour chacun de leurs enfants, l'un de mes frères est aujourd'hui violoncelliste dans l'Orchestre Philharmonique de Paris et l'autre, bassoniste pour l'Opéra de Lyon, avait-il confié lors d'une interview avec Télé Loisirs. Pour Jacques Cardoz, il fut donc décidé qu'il serait danseur classique. Ainsi, il a fait ses classes à l'école de danse de l'Opéra de Paris, puis au Conservatoire de danse de Paris. Très doué, il a rapidement été engagé comme danseur à la Comédie-Française à seulement 16 ans. Jacques Cardoz a ensuite poursuivi sa carrière en Belgique au Ballet Royal de Flandre puis au Ballet Français de Nancy, où il a eu pour mentor le regretté Patrick Dupont. Mais au bout de 5 années de carrière professionnelle dans le monde de la danse, Jacques Cardoz décide de tout lâcher, à l'âge de 21 ans, afin de se consacrer à sa véritable passion, le journalisme. Coup de foudre à l'opéra, pas de regret néanmoins pour l'homme de télé qui peut être reconnaissant envers la danse pour lui avoir fait rencontrer l'amour de sa vie. En effet, à l'époque où il enfilait encore des ballerines, Jacques Cardoz a croisé le chemin de sa femme. Je l'ai connue alors que j'étais danseur et elle aussi. Elle était danseuse, elle est devenue hôtesse de l'air, et moi, je suis devenue journaliste, a-t-il déjà confié dans Touche pas à mon poste.